Ça, Showin, c'est donc une entreprise que j'ai créée en 2016. Et cette entreprise, elle a donc vocation d'acheter au Japon, d'importer du Japon ici en France et de commercialiser des bonsaïs de qualité et de tradition japonaise. Tous ces bonsaïs, c'est donc moi qui vais les sélectionner par moi-même au Japon, qui fait les achats et ensuite qui organise l'importation puis la commercialisation ici en Europe auprès des clients qui souhaitent acquérir des bonsaïs de diverses variétés, divers styles. Cette fameuse sélection, je la fais auprès de spécialistes japonais ayant des jardins plus ou moins connus, des pépinières plus ou moins connues, certains avec des noms qui rayonnent déjà beaucoup en Europe, mais également aussi au gré de mes visites dans des jardins beaucoup moins connus, des pépinières plus petites, chez des petits artisans, je vais également chercher ces arbres-là. Toutefois, il y a aussi Maître Tanibata, qui est mon sensei, et chez qui également je vais faire l'acquisition d'arbres dans son jardin. Et c'est vrai qu'avec M. Hiroyuki Tanibata, on a lié un lien très fort, je dirais même au-delà simplement de la pratique du bonsaï, puisqu'au fil des années, et de ses venues en France également, on est devenu, entre guillemets, pas membre de la famille, mais un petit peu membre à part entière de la famille. Donc ça, c'est quelque chose d'unique, et c'est ce qui me permet également de mieux comprendre, entre guillemets, la culture japonaise. Parce que vivre avec les Japonais, au quotidien avec eux, manger avec eux, être dans la famille, être dans la maison, ça apporte énormément. Les arbres de ma collection ou la collection de M. Tanibata ne sont pas forcément prédominants dans ma collection ou dans les arbres que j'importe, puisque M. Tanibata a cette particularité de me laisser beaucoup de liberté d'action. C'est d'ailleurs même lui qui m'emmène dans d'autres jardins de professionnels pour acquérir des arbres. Il m'a beaucoup soutenu et il me soutient encore. Et il m'a beaucoup apporté dans mon commerce du bonsaï, mais également dans ma passion du bonsaï. C'est quelqu'un qui a un esprit très, très ouvert. Il n'est pas dans cette démarche de me dire voilà, j'ai mes arbres dans mon jardin, il faut que tu fasses l'acquisition de ces arbres-là, et puis d'un autre côté, faire un peu de rétention. Bien au contraire, il a toujours été le premier à m'amener dans plein d'endroits différents, d'acheter même pour moi quand je ne suis pas au Japon, puisque comme j'ai un lien quasiment quotidien avec Hiroyuki, je peux lui demander à tout instant de m'acheter des arbres chez un pépiniériste que je connais, où je sais que je vais trouver tel type de production d'arbres, tel type de style d'arbres, ou même les enchères. Beaucoup de personnes ont découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des enchères de bonsaï au Japon. Il y en a beaucoup et tous les jours, voilà. Et cette fameuse vidéo qui a été sortie. Donc voilà, M. Tanibata peut également aussi acheter pour moi lors de ses enchères. Il partage tout ce qu'il vit au Japon, tout ce qu'il découvre. Bien souvent, j'ai des photos ou des vidéos ou des informations de ce qu'il a découvert, éventuellement des nouveaux arbres qui sont arrivés dans son jardin. C'est le premier à m'envoyer des photos en me disant oh, « Tiens Alex, voilà, il y a ça, j'ai trouvé ça chez tel pépiniériste. Il faudrait éventuellement que tu achètes ces arbres-là parce que ce pépiniériste-là a arrêté, il n'y a plus de production. Il va aussi me conseiller aussi sur mes achats. » Donc ça, c'est du bonheur. C'est en cela qu'on a dépassé le rapport du stade commerçants, acheteurs, fournisseurs. Et on a aussi dépassé ce stade-là parce que M. Tanibata est venu pendant 5 ans ici en France, chez nous, pour une école de bonsaï. Donc on a vraiment lié des liens beaucoup plus amicaux grâce à ces événements-là aussi. Dans l'avenir, pour Bonsai Showin, ce que je souhaite, c'est bien sûr de continuer sur la lancée qui a déjà été donnée et qui, à ce jour, fonctionne plutôt bien. Mon réseau proche, que ce soit d'élèves ou de clients, grossit chaque année.
On prend toujours autant de plaisir à faire du bonsaï. Je pense que l'enjeu majeur de Bonsai Shoin est d'avoir un lieu physique, même si j'en ai déjà un, mais ouvert vraiment au public. Voilà, c'est un peu l'enjeu majeur là-dessus. Il y a pas mal de petits projets. Ce serait un lieu pour la vente, puisque les cours et l'école, les gens ont déjà accès à ce lieu-là, mais un lieu vraiment plus ouvert au public. Puisque au jour d'aujourd'hui, Bonsai Shoin est un lieu qui se visite ou entre guillemets sur rendez-vous. C'est du contact beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de proximité dans ce contact-là. Je fonctionne beaucoup avec un réseau qui s'établit petit à petit. Et c'est vrai que j'aimerais ouvrir un peu plus au grand public pour faire découvrir ce qu'est le bonsai japonais de tradition japonaise. Puisque je pense qu'au jour d'aujourd'hui, mon créneau de développement est vraiment dans ce domaine-là. On a bien sûr de l'arbre un peu plus commercial, puisque les personnes qui débutent avec moi en tant qu'élève n'ont pas forcément les moyens, l'envie ou la capacité de travailler ou d'entretenir des arbres d'un niveau un peu plus avancé. Donc je propose également des arbres pour débutants. Et ça, petit à petit, dans le temps, ça va évoluer aussi en ce sens-là. Puisque malgré tout, même à budget raisonnable, au Japon, on peut accéder à des arbres de qualité. Et c'est très important, je pense, de distribuer ou de commercialiser aux personnes qui débutent des arbres de qualité correcte et de bonne variété. Puisque faire du bonsaï, c'est déjà quelque chose de compliqué, c'est déjà quelque chose de complexe. Si en plus, on essaye de faire du bonsaï avec des variétés qui ne sont pas adaptées pour faire du bonsaï, on va pas avancer, on va avoir beaucoup de mal. Donc il faut vraiment se focaliser sur des espèces adaptées à la pratique du bonsaï. Je ne fais pas et je ne propose pas de bonsaï d'intérieur. Tropicaux. Puisqu'en fait, on parle de bonsaï d'intérieur uniquement parce que les bonsaï tropicaux ne peuvent pas passer l'hiver à l'extérieur. Donc, à la saison automnale et hivernale, on les met à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier que ces arbres doivent vivre, malgré tout, de préférence, dehors. Si on veut qu'ils s'épanouissent, ils peuvent très bien vivre à l'intérieur, mais on ne va pas avoir des résultats très probants à long terme. Notamment à cause du taux d'hygrométrie. Il y a un écart majeur entre le climat japonais et le climat français. Cet écart majeur se passe au niveau du taux d'hygrométrie. Il faut savoir qu'au Japon, les étés sont chauds et humides, avec des taux de pluviométrie très importants, alors que chez nous, les étés sont totalement à l'inverse, sauf cette année, puisque cette année, on est très chanceux et on a un gros taux d'hygrométrie et un gros taux de pluviométrie. Malgré tout, les espèces que j'importe du Japon sont adaptées pour la France, avec une réserve, et bien entendu, un érable dans le nord de la France et un érable à Marseille, c'est pas les mêmes enjeux. Mais moi, ici en Rhône-Alpes, je peux faire quasiment toutes les espèces japonaises. J'ai pas de contraintes. Ça peut aller de l'épicéa, qui a besoin du froid en hiver, au stewartia, qui va craindre les gelées, ou au palmatum, où on va pouvoir maintenir des arbres dans des états de santé quasiment parfaits. Donc après, c'est à moi de conseiller, comme tu l'as dit tout à l'heure, de conseiller l'amateur par rapport à son jardin, ou s'il est en balcon, par rapport à l'endroit où il habite. Et ça, c'est le travail du professionnel de conseiller la personne pour qu'elle puisse s'épanouir avec l'arbre. Il faut être très conscient que 80 à 90% des bonsaïs au Japon sont produits de Tokyo jusqu'au sud de Tokyo, c'est-à-dire jusqu'à Kyushu. Et là, on est sur des climats où, par exemple, l'hiver, quand il fait moins 1 ou moins 2, on nous parle d'hiver rude. Et on a des enjeux d'hygrométrie très importants. Là, en ce moment, aux actualités, à Kyushu, il pleut tous les jours. J'ai eu mon sensei à Osaka, il pleut tous les jours. Alors que chez nous, les étés, c'est pas le cas. Donc il faut bien garder cet enjeu d'hygrométrie en tête. Et on sait qu'avec de la chaleur et de l'eau, les plantes poussent, il n'y a qu'à voir les forêts tropicales. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Lorsque tu as un orage,
et qu'il y a une hygrométrie très importante. La nuit, le lendemain matin, les arbres ont un vert qu'ils n'ont pas d'habitude. Tout ça, c'est chargé en énergie dans l'atmosphère, l'hygrométrie, et les plantes se nourrissent de ça. Je dirige également une école de formation qui s'appelle Bonsaido. Cette école, elle a vocation d'apprendre aux personnes désireuses d'apprendre le bonsaï les bonnes bases. De bonnes bases pour avancer avec ces arbres, pour les comprendre, les cultiver. C'est une école qui dure 3 années à raison de 3 week-ends par an. Donc c'est pas non plus une formation très longue. Bien souvent, les personnes qui font cette école avec moi continuent, au terme de cette école, de venir en stage privé ou en groupe restreint. Et tous ensemble, on avance avec les bonsaïs et on essaye de créer de beaux bonsaïs.